Yo la famille, c'est comment? Votre territoire est tout beau ce matin. Oh bien les gars. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Partagez-la. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose de très surprenant sur Didier Arafat. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous invite à partager massivement cette vidéo-là. Que tu sois chinois, que tu sois fan du coupé décalé, que tu sois admirateur de la musique ivoirienne, il faut partager au max cette vidéo là. Voilà, parce que franchement, ce que je vais dire va surprendre encore beaucoup d'hommes et je serai encore traité d'hypocrite, malheureusement. On se penche juste après le générique, les amis, ok? Voilà, on se penche juste après le générique. À tout à l'heure. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Bon retour, les gars, bon retour. Il sent que vous m'attendez un peu trop façon là. Vous voulez écouter ce que je vais dire. Mais il va vous dribbler. Il va vous dribbler. Il va vous dribbler. Voilà. Il va vous faire languir un peu. Parce que, façon, il regarde les trucs là. Les ondes qui me parviennent là me disent que vous m'attendez trop. Donc, il va vous dribbler un peu. Voilà. Il a fait diversion. Et puis après, devant là-bas, il y a le. Bah! Regardez cet élément. On va juste débriefer dessus. Et puis je reviens sur Didier Arafat. Voilà, donc les fans du coupé décalé du côté des States, donnez de la force à Safari Lobian. Il s'agit d'une organisation de Monsieur Moussa Kala, Kala le parrain, Kala le millionnaire. Voilà, vous le connaissez très bien au niveau de New York, vous connaissez un peu comment ces soirées se passent. C'est une histoire de 1200 places. On parle de boîte de nuit, ce n'est pas une salle de spectacle. Voilà, ce n'est pas une salle de spectacle, c'est une boîte de nuit. Voilà, boîte de nuit de chez boîte de nuit. Et c'est votre Saf King Safari Lobian qui va venir se produire là-bas. Fan de Didier Arafat, ne soyez pas fâchés. On se prend devant là-bas. Pour l'instant, il a parlé un peu de sa fin de sa soirée. Et c'est aujourd'hui 21, c'est aujourd'hui dimanche 21, que Safari Lo Bien vient casser New York. Voilà, le club Madius. Albini Abillon, 7951, vous connaissez déjà l'adresse. Donc, on me dit que les réservations se passent en tas, c'est déjà bon. Et je sais que la soirée promet, parce qu'avec Safari Lo Bian, c'est du gros spectacle. Vous avez vu un peu sur son Insta, ce qu'il a montré un peu à Dallas. Dallas est sorti massivement. Donc, chers fans de New York, c'est votre défi, c'est dans votre main. Voilà, donc, redonnez de la force encore de votre côté. Montrez à Dallas que vous pouvez faire mieux qu'eux. Voilà, c'est vrai qu'ils ont rempli le coin, ils ont cassé le coin, mais vous bousillez le club Amadeus, je compte vraiment sur vous. Parce que moi, j'ai dit toujours, quand j'ai lancé un appel, il n'y a jamais poteau. Voilà, c'est Dieu qui bénit jour et nuit. D'après le Dougoutigui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chef de New York, ça se passe ce soir, du côté de New York, dans le Queens. Voilà, avec le parrain Kalamoussa. Appelé, réservé. Et je vais voir encore les vidéos sur Instagram de Safari Le Bien pour me dire que vous avez vraiment relevé le défi. Voilà, c'est un mouvement VIP. Hein. C'est vrai que le coin est Diba. Ça prend 1200 personnes, mais c'est un mouvement VIP. Vous avez bien vu l'élément. Voilà, vous avez vu de quoi il s'agit. Voilà. Il y a les paquets manger chier, il y a les paquets tchin tchin, il y a les paquets goumouli. Vous voyez un peu, non? C'est un truc pro. Vous connaissez M. Moussa Kala, il n'est plus à présenter. Voilà. Donc j'invite tous les fans du coupé décalé à aller donner de la force à votre jeune frère, Safari Lo Bian, qui est en train d'écrire son histoire dans le coupé décalé. C'est très important. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de Safari Lo Bian. Ce n'est pas de lui que je vais parler dans cette vidéo-là. On parle maintenant de DJ Arafat, tout à l'heure. DJ Arafat. Ah, oh, ce gars-là, vraiment, il me fatigue. Tu me fatigues. Daichi, tu me fatigues même. Voilà, faut qu'ils te disent la vérité. Bon, on fait comment? On va aller au vif du sujet. On va aller, on va aller, on va aller. En fait, j'avais pas grand-chose à dire sur Didier Arafat, mais je tenais personnellement, en toute humilité, le féliciter. Le féliciter pas pour ses bêtises qu'il a fait dernièrement avec ses vidéos et ses posts à la con là, mais le féliciter parce que j'ai senti qu'en lui dort un grand homme, un très très grand homme. Qui n'arrive pas à se défaire de son ancienne personne, de son ancienne vie, de ses anciennes habitudes. Moi, c'est ce que j'ai compris en fait. Donc, je tenais vraiment, vraiment, vraiment à féliciter Didier Lafay Tachi. Parce que moi, j'ai été un peu surpris. Quand vous voyez la semaine dernière, je n'ai pas dit en demi-semaine, quand j'enchaînais les vidéos sur Didier Lafay et vous vous plaignez, vous ne me comprenez pas. Mais si vous êtes très objectif, et très lucide, vous allez comprendre mieux mes vidéos en fait. Moi, voilà ce que je disais dans mes vidéos. Je disais que c'était pas normal qu'il se donne aussi en spectacle sur les réseaux sociaux parce que
il y a ses petits, ou bien l'un de ses petits, qui a fait sortir un hit qui est en train de cartonner. C'est sa chance, bien au contraire, c'est une fierté pour lui, Didier Arafat. Voilà ce que je disais dans mes vidéos en fait. Mais comme je le dis d'une manière très directe, c'est ce qui vous choquait. Lui-même, par exemple, quand il vient et il fait ces deux derniers directs, il a fait que j'ai vraiment apprécié parce que je suis ses directs, hein, ça se voit, je suis vraiment ses directs. C'est pour ça que souvent je mets pas là, je suis tout ce qu'il dit. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai senti de la sagesse en lui. Mais il y a un mais que je vais dire plus loin dans la vidéo, donc restez connectés. J'ai senti beaucoup de sagesse en lui, mais qu'il n'a pas envie de développer en fait. Vous savez, moi je préfère quelqu'un qui aime foutre la merde comme Didier Arafat. C'est lui, c'est un dégameur. Quand il y a un mouvement, il dit, c'est vrai, c'est faux, lui l'a dit. Mais en même temps, ce qui me plaît chez Didier Arafat, c'est que c'est le gars qui a cette facilité-là de venir s'excuser publiquement. Il pourrait dire que c'est moi le Daichi, il m'explique pas, ça allait où? Il m'explique pas. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, même dans ma bêtise, il y a des gens qui sont prêts pour moi. Donc il ne m'excuse pas. Ce qui est choqué, il allait vous foutre ailleurs. Mais il ne le fait jamais. Quand on le gronde, quand on lui fait des reproches, il se replie sur lui-même. Et puis il se pose la question de savoir, est-ce qu'effectivement, même si je suis fâché, même si je crois avoir raison, est-ce que j'étais obligé de me comporter ainsi? C'est ce que vous devez comprendre dans ce direct. Vous ne devez pas regarder son direct en tant que fanatisme, suiveur ou béni. Non, vous devez lire entre les lignes. Vous devez comprendre le personnage, comprendre ce que c'est Didier Arafat en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi, souvent, je suis un peu dur avec lui. Mais dur comment? Dur dans la stricte et simple vérité. Dur dans la stricte et simple vérité. Par exemple, ces personnes-là qui l'encourageaient, qui insultaient toutes les personnes qui lui disaient de se recadrer, de changer ce qu'il est en train de faire, là, qu'il n'avait pas besoin de se comporter comme ça, là. Vous n'êtes pas confondu, de vous à moi. Est-ce que vous n'êtes pas confondu? Parce que nous, on disait que il devait pas faire ça, il doit pas faire ça. Vous veniez dire pourquoi? C'est un humain. S'il avait le droit de faire ça, il a fait et puis quoi? Il l'a fait parce qu'il a raison. Il s'excuse pourquoi? Il s'excuse parce qu'il sait que il s'est un peu trop emporté. Il s'est un peu trop emporté. Il a pris conscience qu'il n'avait même pas besoin. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous devez comprendre et connaître réellement votre artiste. Vous connaissez simplement Didier Arafat, le nom. Il a pas sorti un son, bon, ça s'arrête là, c'est chic, ça s'arrête là. Mais au niveau même de sa carrière musicale, la façon il fait les choses, sa stratégie, ça, vous la connaissez pas en fait. Vous le suivez simplement parce que c'est Didier Arafat. Et qu'est-ce comme ça, vous ne l'aidez pas. Il faut apprendre à connaître l'artiste, à comprendre l'artiste et à l'orienter. Voilà. Il ne peut pas se rendre tout seul. C'est vrai qu'il est maître de sa carrière, il est maître de sa vie, mais par certaines suggestions et par certaines critiques, il peut s'améliorer et aller mieux de l'avant. Parce que moi, franchement, ça me choquait tout le temps de voir Didier Arafat venir s'égaler ou se mesurer à ses petits frères. À des personnes qui n'ont même pas encore fait le quart de ce qu'il a réalisé dans sa carrière. Donc comprenez que ça choque, comprenez que ça fâche. Voilà. Comprenez que ce n'est pas intéressant. Parce que c'est les artistes qui est le plus suivi en Côte d'Ivoire. Quand on dit suivi, ce n'est pas seulement par les Ivoiriens. Il est suivi par toutes les nations, surtout africaines. Quel exemple il donne? C'est ce que vous devez dire. Vous devez vous demander en tant que vrai fan. Parce que j'ose croire que vous êtes des vrais fans. Vous n'êtes pas des fanatiques. Ou bien, on va comment appeler ça même. Vous n'êtes pas un fanatisme suivisme. Voilà, j'espère que c'est ça. Vous devez vous demander, est-ce que l'image qu'il donne là est bonne à l'extérieur? Comment elle est perçue à l'extérieur? C'est ça, c'est une question que vous devez vous poser. Vous ne devez pas rester là à dire, oh, c'est Didier Arafat, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais le mec, il s'est excusé. Et moi, je viens dans cette vidéo-là vraiment le féliciter. Franchement, moi, je viens te féliciter parce que tu m'as vraiment, vraiment surpris et agréablement surpris. Franchement, reste comme ça parce que chaque fois, comme je l'ai dit dans mes vidéos, si tu déroutes, ou bien tu t'oublies, on ne viendra pas nous t'insulter comme des vidéomans le font ou bien certaines personnes le font, mais on viendra te dire les vérités que tu dois entendre, qui vont peut-être te choquer, mais qui sont vraies en fait, quand tu réfléchis. Voilà, c'est un peu ça. Cependant, le mais c'est quoi? Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à savoir pourquoi encore tu viens féliciter Didier Arafat et tu veux forcément mettre un mais. Je mets un mais parce que c'est effectivement Didier Arafat. Moi, je connais l'artiste. Je sais comment il fonctionne, je sais ce qui se passe un peu dans sa tête. Regardez. Dans son délai direct comme ça, où il est en train de chier, non, je sais pas si il est en train de chier ou bien il a fini de chier, juste pour rigoler. Il dit comme ça, il essaie de citer pêle-mêle les artistes avec qui il est en truc, il est en de bonnes relations, où ça va bien, où le courant passe bien. Il cite DJ Mix, il dit Mick. Il cite Kidjevara, il cite Clay Bailly. Bon, de vous à moi, oh. Écoutez bien le maire, de vous à moi. Il y a combien d'artistes dans la musique ivoirienne d'abord? Avant qu'on arrive au coupé décalé, il y a combien d'artistes dans la musique ivoirienne? Il y a combien d'artistes dans le coupé décalé? Et puis, il vient citer publiquement les artistes avec lesquels il a de bonnes relations. C'est pour prouver quoi? Les autres artistes, ils sont mauvais.
Vous devez vous la poser la question de savoir pourquoi il ne s'entend pas avec eux. C'est la question que vous devez vous poser pour savoir pourquoi il ne s'entend pas avec eux. Parce que si c'était moi à la place de Jarafat, pour être plus malin et plus sage, il allait dire que franchement, je n'ai rien contre cet artiste-là, mais actuellement, je ne m'entends pas avec tel artiste. Là, au moins, quand on fait la déduction, quand on fait la soustraction des personnes avec qui tu ne t'entends pas, on voit que tu t'entends avec encore beaucoup de monde. On va dire le reste même de la musique coupée décalée, de la musique ivoirienne. Mais toi, tu cites les personnes, pour ne pas dire les artistes avec lesquels tu t'entends, mais quand tu les cites au regard de ta vidéo, ils ne valent même pas 5. Donc, tout le reste des artistes de Côte d'Ivoire, toi, tu ne t'entends pas avec eux. Donc, nous qui faisons la vidéo pour dire que tu en clash avec pratiquement tous les artistes de Côte d'Ivoire, n'ont pas menti alors. C'est comme ça que vous devez interpréter les trucs, les vidéos, les propos de Sidi Arafat. Parce que c'était un peu déplacé. Ça n'a pas été mané de sa part, cette partie-là. Franchement, je ne veux pas venir publiquement dire que je m'entends avec 5 artistes. Bon, par conséquent, tu ne t'entends pas avec le reste. Moi, c'est ce que je déduis. Et je sais que c'est parce que tu voulais dire. Mais dorénavant, fais les choses de manière plus maligne, quoi. Voilà, parce que franchement, ce côté-là, ça m'a un peu choqué. J'étais un peu surpris. J'ai dit, ah, donc ça fait que c'est quelques artistes qui m'ont dit enfin, en de bons termes. Même si tu ne causes plus avec José, pas besoin de venir le dire publiquement. J'avais envie de faire une vidéo dessus, mais j'ai dit non, faut pas que je réagisse encore. Puis on dit que je suis trop sur Didier Arafat. Tu ne t'entends plus avec la meuf. Bon, on s'en fout. Tu le gardes pour toi. Mais c'est comme si tu en étais fier encore. Oh, c'est parce qu'il y a eu incompréhension, il y a eu discorde. Tout pardonne, Didier Arafat. C'est ce que tu dois comprendre. Tout s'arrange, tout se pardonne. Si tu ne veux pas comprendre ça. Et faire les choses comme ça, franchement, ça laisse à désirer, quoi. Voilà. Sinon, cette vidéo-là, ce qu'il faut retenir, c'est que DJ Rafat m'a vraiment surpris et j'aimerais qu'il reste comme ça. On attend Moto Moto et on espère vraiment que ce soit un tube qui va vraiment montrer ta suprématie dans ce mouvement-là. Voilà. Donc, restez connectés. Il y a encore 2 vidéos en cours, voilà, qui vont vraiment vous plaire parce que j'ai à dire certaines vérités à DJ Mix et au Blé Leader. Et en même temps, faire une vidéo très 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 costaud sur mon débordeur du Koufa qui a été attaqué à Paris. Voilà, vous allez savoir de quoi je parle si vous êtes connecté à Héritage Recherche TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo-là. Ciao, ciao, c'était Héritage.